رجعت وشوعي بسري أبيدي بسماتا Je m'occupais de la vie et mon frère chargeait le foin. Et l'heure du déjeuner, on est retourné à la maison. Et notre mère a crié la cuisine, essuyez vos pieds sur le paillasson. Elle m'a même dit qu'elle avait des nouvelles pour les essaims. Ce matin, Marie-Jeanne Guillaume s'est jetée du pont de la gare. Et mon père et ma mère en ont passant le plat des grattons. La Marie-Jeanne n'était pas très maligne, passe-moi donc le temps. Il y a bien encore des états à la brune dans le champ lacun. Et maman dit, tu vois, quand j'y pense, c'est quand même bien pour ce pauvre Marie-Jeanne. On dirait qu'il n'arrive jamais rien de bon à Bourg-les-Essonnes. Et voilà que Marie-Jeanne dit, on va se jeter du pont de la gare. Se souvenir qu'en lui et moi il y a de grands écoles. On avait mis une grenouille dans l'odeur de Marie-Jeanne un soir au cinéma. Il me dit, tu te rappelles-tu, tu lui parlais ce dimanche pour aller. Donne-moi encore un peu de vin, c'est bien injuste la vie. Dire que je l'ai vu hier à la Syrie, à Bourg-les-Essonnes. Et voilà que Marie-Jeanne Guillaume s'est jetée du pont de la gare. On m'a dit, mon grand, tu n'as pas beaucoup d'appétit. J'ai cuisiné tout ce matin, mais tu n'as rien pris. Dis-moi le sort de ce jeune qui est passé en auto. Elle m'a dit qu'elle viendrait des bons jardiniers au vieux propos. Elle dit qu'elle a vu un garçon qui te ressemblait à Bourg-les-Essonnes. Et lui et Marie-Jeanne Guillaume, j'étais quelque chose pour la gare. Une année a passé, on n'en parle plus de tout de Marie-Jeanne. Mon frère qui s'est marié a pris un magasin avec sa femme. La grippe est venue vers chez nous, et mon père en est mort. Depuis maman n'a plus envie de faire grand chose, elle est toujours fatiguée. Et moi de temps en temps je vais ramasser quelques fleurs du côté des Essonnes.